Salut à tous, c'est Fripon, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends en cours du premier GP parce que je pensais avoir mis le micro sur on, mais en fait non. Du coup, j'ai parlé un peu dans le vide, donc j'ai pas fait de présentation. Déjà, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, deuxième GP, plutôt deuxième manche de ce FFA. Alors, vous avez vu, là, j'ai fait un dodge assez épique quand même. Hein. Franchement... J'ai pas super bien joué toute la course et voilà, il a suffi juste d'un dodge en fin de course pour changer la donne. Vous voyez aussi qu'il y a des bons joueurs, mais comme on est que 9, il y a moyen que je me qualifie quand même. Hein. Parce que du coup, c'est juste les 3 derniers qui sont disqualifiés. Allez, Circuit Luigi. C'est tombé sur un aléatoire. Hein. De toute façon, Circuit Luigi, je considère que c'est vraiment la map la plus aléatoire du jeu. Donc on va faire gaffe, j'ai fait n'importe quoi là. Allez, je vais la jouer item. Parce que quand je suis 3ème, 2ème, c'est pas intéressant. Circuit Luigi, on remonte pas. Non. Pas de zap non plus. Qu'est-ce qu'on a là? Je vais garder mon étoile. Tout en sachant que Xorn va peut-être choper l'éclair. Je sais pas quand il l'a activé, je ne sais pas du tout. Il l'a activé assez tôt, hein. Il n'a pas attendu. Je l'ai pas eu, ça aurait été énorme quand même. Il l'a activé assez tôt, ouais, je pensais qu'il allait attendre un petit peu avant d'activer. Je me suis trompé. En plus là j'ai un build, je sais pas trop comment l'utiliser. Si je peux prendre l'aspi c'est bien. Ouais j'ai pris de l'aspi, c'est pas mal ça, ça c'est pas mal. Je vais attendre quand même avant d'utiliser le build. Hein. S'il peut me filer le zap ce serait bien, comme ça je trace avec le zap. Et après j'active le build. Mais il n'en sera pas ainsi. Est-ce qu'on peut cutter avec le build? Je sais pas, on va voir ça tout de suite. Non, on peut pas. Ah, j'ai peut-être trop attendu. Bon, ouais, je fais quand même quatrième. Ouais, cutter avec le build, c'est un petit peu impossible, je crois. Faut vraiment trop s'engager, je pense. Mais bon, franchement, quatrième sur Circuit Luigi, hein. Honorable. Allez, on est parti pour cette troisième course de ce GP1. Bon, le build, je l'ai vachement mal utilisé hein, quand même sur Circuit Luigi. Je voulais voir si on pouvait cutter, donc bon. On va essayer d'oublier cette course un petit peu trop aléatoire pour se concentrer sur celle-là qui est quand même plus technique. On reste vigilant au wheel et au backspam, hein, évidemment. Là, je suis concentré à fond. Hop, là, il y a un zap derrière. Oh là là, c'est quoi cette verte ? Énorme. Alors là, ah, c'est loqué. Donc moi je trace. Zut, je voulais prendre l'item. Mais du coup, ça pardonne pas si j'ai pu esquiver la rouge. Ah là, mais qu'est-ce que je suis nul là. Allez, un petit fake pour la route. Il a fait mouche. Dommage. Oh, il y a une étoile. L'étoile de Mel West. Ah, il voulait la conserver. C'est vrai que ça tombe souvent à l'approche de cette longue ligne droite. Et du coup, vous voyez, il a pris son étoile, mais du coup, ça lui fait pas gagner tant de temps que ça. Hein. Pratiquement pas, en fait. Et donc, on va garder... Ouh, attention! Attention au fake, là, il m'a fait peur. On va garder ce champi. Ouais, je prends large, là, parce qu'il me fait un peu peur. Je pense qu'il veut loquer, mais je sais pas. Peut-être qu'il va le backspam. Je reste vigilant. Mais je pense qu'il va loquer. Hein. C'est plus safe de loquer, quand même. Ouais, c'est bien loqué. C'est trop bien loqué. On va pas tenter. Je tomberai à coup sûr. Ah, j'ai pas mal de champis là. C'est intéressant, c'est intéressant. Waouh, j'ai cru que j'allais me faire écraser par le twomp. Hop, j'en active un ici. Ouh, attention, ça backspam des rouges. Wow, une étoile. Ah, c'est intéressant ça. Allez, j'active. En plus, je crois qu'on m'a refilé le zap. J'active là.
C'est pas le moment. C'est un peu trop le bazar derrière. On va faire gaffe au backspam. Ah ouais, ça backspam. Ça backspam et c'est normal. Ouh, c'est bon, ça va pas target. Ça aurait pu faire mal. Le premier a été target. C'est un peu le même scénario que dans la manche 1, si vous vous rappelez. Et si je dis pas n'importe quoi, peut-être que je confonds avec une autre course. Je vais mettre le fake ici. Il me fait un peu peur, hein. Je vais prendre un item. On sait jamais. Bah, 3 fakes d'affilée. Bon, la bleue. Alors là, faut pas qu'on me poutre trop. Je peux remonter avec des bons items. Ah si, on me poutre. En plus, je me suis fait poutrer par un Reaper. C'est bon, c'est bon. J'ai eu peur de me faire encore target à l'étoile derrière. Est-ce que je peux le gratter? Oui. Je fais 5ème. J'espère que je me fais pas gratter au lag, hein, quand même. Ouais, c'est bon, je fais 5ème. Ouais, c'est la moindre des choses, puisque bon, là, ça va. Du coup, je suis 4ème, et regardez, les 3 derniers, pour l'instant, ils sont assez bas au classement. Donc, le risque n'est pas très très grand pour l'instant. Bon, alors là, je suis 5ème. Qu'est-ce qu'on fait en frontrun ou on la joue à l'item? Allez, je vais frontrun. Voilà, jouer front run, même si je l'ai mal pris ce passage, déjà ça commence bien. Attention rouge. Il me faut un item là. Un item en 6, ça peut être pas mal. 3 champi. C'est intéressant, c'est intéressant. On va faire gaffe. Ah, c'est banane. J'en claque un pour être à distance parce qu'il me fait grave peur, j'avoue. Et j'en claque un en mode TT. Comme ça, ça me permet d'être éloigné du peloton. On va faire gaffe à Xorb. Qui backspam. Qui est un très bon joueur. Donc à moins qu'il se prenne une bleue, la première place est pour lui. Sauf qu'en attendant, il y a Zoan qui arrive. Et il me fait peur, Zoan. Donc du coup, je vais claquer un champi pour m'éloigner un petit peu de Zoan. Et on va continuer à surveiller Xorb parce qu'il backspam pas mal. Oh, je passe à côté. Je passe à côté du zipper, c'est pas grave. Allez, on garde cette deuxième place, s'il vous plaît. Bon, on dirait que c'est bon. Wouf. Du coup, je pense que on s'en sort pas trop mal sur ce premier GP. Voilà, ouais, je suis dans le top 3. C'est largement suffisant. On est loin des 3 derniers. Donc, suffit de limiter la casse pour ce deuxième GP. Mais bon, c'est Mario Kart. On peut jamais s'avancer sur ce jeu. Allez, on est parti pour le deuxième GP. On commence sur SNES Circuit Mario 3. Bon, bonne position sur ce circuit, puisque là, je peux peut-être avoir un bon item, sauf que tout le monde freine, évidemment. Allez, en 6, qu'est-ce qu'on peut avoir? 3 rouges, ok. Et bah, c'est 3 rouges. Je vais attendre parce que j'ai pas envie de dépasser forcément les gens là. La priorité c'est d'avoir un item pour cutter. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oui, parfait. Parfait ma foi. Et j'en active un ici. Oh, j'aurais peut-être dû garder ma rouge pour me protéger. Parce que du coup là j'ai l'étoile. Je vais attendre la 30ème seconde et on va voir quand on va activer tout ça. Ouh, le bill là. Même pas en rêve. Ouais, je pense que je vais pas tarder à activer. J'attends que le dernier prenne les items. Voilà, il les a pris. Allez, on active. Avec un peu de chance, il va spammer. Non, il n'avait pas l'éclair. Du coup, je suis derrière Ikenj. Je voulais avoir son aspi. Est-ce que je peux avoir son aspi? Ah, rien du tout. On va prendre large. Est-ce que ça va backspam certainement dans cette salle? Je ne sais pas. Ah, il m'a refilé les apps. Il m'a refilé le zap. Ah, je l'ai refilé ou pas? Ouais, je l'ai refilé, mais c'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud, alors que Toby arrive en étoile, il se fait plaisir. Et la bleue qui arrive pour lui, c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Zut, et pourtant j'ai enlevé le wheel, mais je me suis tout simplement fait bumper. Et la rouge qui a failli me tuer. Est-ce que je peux finir 6ème? Ouais, je crois que je fais 6ème. Toujours le bordel hein, à la fin de la course, c'est hallucinant. C'est dommage hein, si je me faisais pas bumper à la fin.
Il y avait moyen que je fasse une bonne place. Mais là, ouais, ils sont arrivés comme des balles. Bah, du coup, on fait un score moyen. Allez, on est parti pour la prochaine. Allez, est-ce que je vais faire un bon truc sur cette map? Ce serait bien, hein. Ce serait bien de faire des bonnes performances sur des maps qu'on aime bien. Ouh là là, si je peux garder ce doré. Je vais rester concentré. Attention au rouge, là. Il y a un mec qui... j'ai dit attention, mais rien à faire, quoi. Il arrive à se retrouver derrière moi pour mon rouget. Et je prends pas un bon départ. Du coup, le bénéfice du doré... il est plus tellement énorme, quoi. Hein. Je vais quand même grand cut, mais... ça aurait pu être mieux. Hop. On va faire gaffe au wheel, c'est bon. Alors, le NFO, je crois qu'il a 5000 points. Du coup, on a de fortes chances de tomber en sans cesser. Là, heureusement, c'est pas le cas. Mais c'est dommage, quoi. Puisqu'en sans cesser, moi, je vous dis, je suis vraiment pourri, j'ai du mal. Hein. Allez, on cut. C'est bon, ça passe. Ouais. Waouh, j'ai fait n'importe quoi. Mais ça passe. Quand même balèze, hein, ce grand cut. Hein. Oh, zut. On m'a tué, là. On m'a tué, je pensais que j'étais loin du géant. Donc là, on va faire gaffe derrière. Ça me fait un peu peur, je vous avoue. C'est bon. Parce que quand je suis comme ça, c'est facile de m'éjecter, en fait. Hein. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu n'importe quoi, là. Bah, du coup, je vais avoir un bon item, là. L'éclair est tombé? Je sais pas. Ah. Bon. L'éclair vient de tomber avant mes items, donc ça, c'est pas trop mal. Bon, j'aurais pu avoir mieux que 3 champis. J'aurais pu avoir mieux. C'est pas grave, on va aller claquer comme ça. Comme ça et comme ça. Ensuite, l'étoile, on va la claquer comme ça. Et avec ça, on va peut-être un peu revenir sur le peloton. Hein. Pourquoi pas. En plus, là, il y a une bleue qui a fait du dégât. Ouais, là, on peut gagner des places. Là, il y a moyen de gagner des places. Moi, bon, je vais garder le champi. On va se dire que... ça va nous suffire pour faire une place correcte. Même si je pense qu'ils vont cutter devant. Ouais, ouais, ouais. Aïe, 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 dommage. Ah, si, je peux peut-être avoir le champi. Non, il l'a pris. Bien joué. Du coup, je fais... Ouh là là, j'ai rien compris la fin, là. Je suis passé de 7 à 5. On va voir. Bon, 6ème encore. Alors, ça donne quoi au niveau du classement? Alors, là, il y a Xorp qui gère, hein, rien à dire. Lui, il se fait plaisir. Allez, une map pour Motomac. Ça devrait bien se passer, j'espère. Même si là, je prends des trucs assez marrants là. C'est vrai que c'est pas. Comment dire? C'est pas. Comment dire? Je cherche un mot que je ne retrouve plus. Ah, ça, ça va m'énerver ça. C'est pas. C'est pas tendre, voilà. Ah, bordel. Du coup, je fais n'importe quoi en cherchant mes mots. Allez, c'est parti, on va remonter tout ça. Une fois un item déjà. On va faire le décalage, voilà, c'est bon. 3 rouges. Je vais pas les utiliser maintenant puisque j'ai envie d'avoir un bon item. Voilà, c'est bon. Alors, toi, je peux utiliser contre toi. Par exemple, ça peut être intéressant. Et je vais cutter. Ouais, j'attends pas parce que là, je vois pas quand l'éclair va être activé. Ah zut. Je voulais prendre l'item. Hein. Je voulais pas forcément poutrer Xorb. Ouais, il m'a sauvé limite. Attention au géant, c'est bon. Maintenant, je fais attention au géant puisque il me tue mes courses quand même. Hein. Ouais, j'ai pu avoir l'item quand même. Alors là, je vais me faire plaisir. Ah non, mais... toujours un problème, moi, dans les virages, quand je veux backspam, je fais l'inverse, et quand je veux sniper, je fais l'inverse. Ah là 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 là! Il a fallu que je me prenne sa rouge, quoi. Bon, heureusement, c'est pas le dernier tour. Là, je peux faire une bonne remontée. Avec un bon item. Hop. Non, non, non. Ouf. Ouh là là, c'est trop dangereux, là. Il y a trop de trucs, c'est bon. Wouh!
Attends, il y a encore un bill, faut que je l'esquive et on aura tout esquivé. Non, il y a surtout Sol64 qui vient complètement m'éjecter. Et du coup, moi je chope l'éclair. Et là, je peux faire très mal là. Oh, ce virage. Magnifique ce virage. Là, je peux faire mal, je vais pas attendre. Hein. Je vais pas attendre. C'est-à-dire que quand ils vont passer leur item. Hop, maintenant. Moi, j'ai des champis, je tarde pas. Pour conforter mon avance. Et là, j'ai un champi qui peut faire la différence si je fais gaffe au backspam. Ouais, on va faire gaffe au backspam parce que ça va faire mal. C'est bon, pour l'instant, j'ai esquivé tous les backspams. Il en reste encore quelques-uns à esquiver. Encore un esquivé. C'est bon, j'ai esquivé tous les backspams. La deuxième place s'offre à moi. Bon, ça va, on a limité la casse, c'est bien. Ouh là 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 là, Xorb qui est parti pour un perfect. Ah, belle prestation de Xorb, hein, rien à dire. Et bah moi, je suis quand même troisième. Hein. Je suis troisième, donc je pense que dans tous les cas, c'est bon, hein, je suis qualifié. Donc pas de pression pour la dernière course. Et donc Autodrome qui a été voté par Just Toby parce que malheureusement, lui, il a aucune chance de se qualifier. Hein. Il n'était pas là au premier GP, il a pas fait une bonne performance au deuxième GP. Du coup, ils votent Autodrome parce qu'ils sont fous, sauf qu'il y en a d'autres qui jouent leur place. Ça doit pas les arranger. Moi, je pense que dans tous les cas, je suis qualifié, donc ça devrait aller. Mais c'est pas pour ça que je vais faire n'importe quoi. Donc les gars, merci de me poutrer, comme ça, je vais pouvoir avoir un item intéressant. Voilà, une étoile, c'est pas mal. Bon, on va l'activer maintenant. Et on va pouvoir combiner avec un bon truc, normalement. C'est le cas, un doré. Allez, on l'active maintenant. Ouais, là je traîne pas là, parce que je pense que je peux prendre la première place, autant en profiter. Après, s'il y a des bleus, tant pis. C'est un risque à prendre. Et maintenant, allez, du run, s'il vous plaît, du run. Tout en surveillant les gens derrière. Donc c'est Sol derrière. Qu'est-ce qu'on peut lui faire à ce Sol? Peut-être une petite banane. À la... à côté d'une piranha. Bon, même pas. J'ai même pas l'occasion. Donc je vais laisser un petit peu passer. Voilà, je pense que c'est suffisant. Maintenant on va prendre un item. Il y a un géant là, ça me fait peur. Ok. Bon. J'aurais peut-être pas dû activer le doré maintenant, mais je vais combiner en fait. J'ai combiné en 6ème position. Mais franchement, j'aurais pas dû activer le doré là. Je voulais pas l'activer à la base. Parce que du coup, j'ai moins bien, forcément. Et attention à l'étoile qui arrive. Et qui a essayé de me poutrer, c'est logique parce que j'ai une banane moi. Alors il y a eu pas mal de dodge là. Xorb qui dodge, hein. Xorb qui est en réussite sur ce GP, j'ai l'impression. Et moi, est-ce que je vais être en réussite? Oui, 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 c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, j'active maintenant, ça sert à rien d'attendre. Oh, il n'y a pas d'item, si il y a un item, c'est bon. Allez, j'active là, hop. Hop. Et hop. Oh là là, magnifique. En plus, j'empêche Xorb de faire son perfect. Ça aussi, c'était pas mal. Donc voilà, on se retrouve troisième encore du classement général. Donc qualifié pour la troisième manche. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la troisième manche. Allez, salut tout le monde, ciao.